qu'on ferait pas la pêche célébrité avec vous? Voilà, regarde, tu viens de lancer un programme. Le bateau célébrité. Et bah voilà. Voilà. Tu viendras avec moi? Ah bah toujours, je te lâcherai jamais Gauthier, je te l'ai toujours dit, jamais. Salut Gauthier, tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Gauthier Larsonneur, je suis gardien au Stade Brestois en Ligue 1. Ok, c'est tout? Ouais, ça suffit. Oula. Alors avant Brest, c'était Lama, Ginola, Le Guen. Maintenant, c'est Duverne, Fossurier, Charbonnier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a merdé? On a perdu pas mal de sublime qu'on avait à l'époque. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver un certain allant et on voit que les gens viennent au stade, donc c'est que ça doit pas si mal que ça. Ouais, mais c'est fou quand même, il y a eu des joueurs de dingue ici, quoi. Il y a eu des très grands joueurs, mais il y a des très grands joueurs dans cette équipe-là et qui, dans 5-6 ans, auront la carrière des Bernard Lama, des Ginola, des... Non. Non, non, t'es sûr? Ouais, faut exagérer, non. C'est jamais. Au mieux, un petit milieu de tableau, mais bon. On verra ça. T'es fils de marin-pêcheur, est-ce que c'est pour ça que tu passes ton temps à aller chercher ton ballon au fond des filets? Ouais, c'est l'attirance des filets qui reste encore en moi, donc j'aime bien les 2-3 fois par match, voire des fois 5-6 quand je suis en grande forme, d'aller toucher les filets, prendre la température, comme mon père il fait la semaine. Ouais. Toujours agréable. Même parfois, on s'en est aperçu, il n'y a vraiment pas de raison que tu prennes un but, mais que tu fais en sorte d'en prendre un, quoi. Ouais, c'est vraiment cette attirance-là. Je veux vraiment faire trembler les filets. Ouais. C'est mon objectif principal par match. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un TISEF? Le TISEF, c'est le surnom donné aux enfants d'ici, comme à Marseille disent les Minots, à Paris les Titi. Voilà, c'est les gens de la région brestoise. Et... Toi, t'es un TISEF? Absolument. D'accord. Tu revendiques ça ou pas? Tu t'en fous, quoi? Non, je m'en fous pas, mais. De toute façon, tu t'en fous de ta région, de ton club, toi, t'es pas. Pas du tout. Ah non, bien au contraire, mais voilà, de là le revendiquer, non, mais je suis fier d'être breton et d'être brestois, ça, c'est sûr. Fier d'être breton, faut pas déconner. Brestois encore moins. Lors de la deuxième journée de championnat, vous avez perdu 3-2 contre Marseille. C'était quoi le plus dur après le match? La défaite ou le fait de ne pas toucher la prime? La prime. Ouais. Je joue que pour l'argent, de toute façon. Ouais. C'est comme tout footballeur. Ce que nous a dit Paul Lannes. Ouais, ouais, on est vraiment à fond là-dessus. C'est que l'argent. Non, non, mais il nous a pas dit que tous vous jouiez pour l'argent. Il nous a dit toi. Il nous a dit il va vous la jouer TISEF, je suis breton, je suis fier, etc. En fait, le mec joue pour la thune et il pourrait jouer partout ailleurs. Il a tout résumé. Ouais. Je suis là que pour ça. C'est lamentable. Ouais, j'en ai rien à faire du Stade Brestois. Ouais. Alors que le Stade Brestois, je le kiffe et ça me fait bien chier de perdre un match comme ça où on doit au moins ramener un point face à Marseille. Ouais, vous ne me méritiez pas. À mon humble avis, on le mérite. D'accord, c'est fou, les mecs n'ont aucun recul. On dit que tu as un très bon jeu au pied, c'est vrai? Je vais dire oui, mais j'anticipe déjà la question que tu m'as fait. Ah non, il n'y a pas de question. Je l'ai vu, la relance contre Lorient. Non, c'est peut-être ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais ça n'a rien à voir avec cette question. On recommence du coup, parce que tu m'as un peu coupé. On dit que tu as un très bon jeu au pied. Tu peux me parler de ta relance contre Lorient en fin de match lors de la quatrième journée? Bah, j'ai vu mon ami Pierre-Yves Hamel qui me ziotait du coin de l'œil et je lui ai dit allez, vas-y, régale-toi, Pierre-Yves, en fin de match comme ça. Parce que t'es ami avec des joueurs de Lorient, toi? Oui. Il n'y a pas de scrupules, mais sur le terrain, il n'y a pas d'amis après. Mais bon, je voulais quand même le faire un petit peu briller parce qu'on avait déjà gagné le match et voilà, c'était facile. Ah, t'as voulu faire rouiller personne, tu t'es complètement foiré. Il y a beaucoup de l'orienté, j'étais perdu par leur présence. Cette relance, mais d'où ça vient d'où en fait? Je referai plus, je tâcherai de plus. J'espère, ça s'il te plaît. Enfin, pas de soucis. Si tu prenais quelques centimètres et que tu devenais un peu meilleur dans les sorties aériennes, tu irais dans quel grand club? Beaucoup de clubs font rêver dans... Bah, quel club te fait rêver? Liverpool, Barça, Real, tous les grands clubs qui ont une histoire et qui ont des stades pleins et une ferveur. D'accord. Une ferveur, c'est important. Ouais. Donc vu les clubs que tu viens de me citer, je pense que le mieux, c'est que tu restes à Brest, non? Ouais, j'ai plus de possibilités de rester à Brest. Avec des relances comme contre Lorient, tu pourras pas aller plus haut, on est d'accord? Demi-finale de Champions League, il y a des relances aussi qui sont un peu... Ouais, mais tu iras jamais en demi-finale de Champions League, Gauthier, enfin, faut pas se mentir. J'ai discuté avec ton coéquipier Julien Fossurier, qui m'a dit qu'il était un bien meilleur pêcheur que toi, c'est vrai ça? J'ai la stat d'hier soir qui va contredire tout ça. Ouais. Larsonneur, 3 barres, 2 macros, 1 aiguillette, Fossurier, 1 barre, 1 aiguillette. Donc non, c'est faux? C'est absolument faux, je suis meilleur pêcheur que lui. C'est toi qui lui as appris à pêcher, c'est ça? Je prétendrai pas ça, je vais donner quelques consignes, mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dessus et qui l'ont plus aidé, je pense. Donc toi, tu l'aides pour la pêche, lui, s'il pouvait t'aider pour les relances, ce serait pas mal, non? Ouais, ça me ferait pas de mal, ouais. Ouais. Alors, tu as déclaré dans la presse que ton idole au poste de gardien était Pascal Olmeta. On est bien d'accord que tu parlais que du jeu, pas intellectuellement. Bien sûr. Après, moi, disons, j'ai Olmeta et Barthez, c'est deux gardiens qui m'ont marqué parce que d'une, ils avaient une folie qui était vachement maîtrisée. Ah, mais Olmeta, Gauthier, le courant d'air dans sa tête, quoi. Je peux pas dire ça. Mais ça lui a permis de jouer dans des clubs de Ligue 1, ça lui a permis de faire une belle carrière, donc c'est tout à son honneur après. Tu veux pas dire du mal de lui parce qu'il est corse, quoi. Je comprends, hein, je respecte. Non, aucun rapport, j'ai juste que j'aimais le gardien. J'ai des goûts qui sont peut-être pas bons, mais. Toi aussi, t'as envie de faire la ferme célébrité? Est-ce qu'on ferait pas la pêche célébrité avec vous? Voilà, regarde, tu viens de lancer un programme. Le bateau célébrité. Et bah voilà. Voilà.
Tu viendras avec moi ? Ah bah toujours, je te lâcherai jamais Gauthier, je te l'ai toujours dit, jamais sans toi. Il paraît que l'une de tes passions dans la vie, c'est de baisser le short de tes coéquipiers. Et quel est l'intérêt en fait ? Parce que ça ridiculise un petit peu le copain en face. Mais il faut faire ça, il y a des gens qu'on apprécie, il ne faut pas le faire à n'importe qui. Quoi. Je ne vais pas aller faire ça à mon coach ou à mon président par exemple. Ouais. Mais ça m'est arrivé déjà de le faire à certains qui... Qu'on pas aimé quoi. Si. En général, ils apprécient parce qu'on est assez dans l'exhibition et tout dans le football, ça va. Ouais. Vous êtes assez dans l'exhibition, tu baisses des shorts, c'est un peu tendancieux tout ça, non ? C'est le football, pas, quoi. T'as des trucs à me dire ? Non, pas maintenant, pas devant tout le monde. Tout à l'heure, si tu veux. Tu me fais peur. je préférerais qu'il y ait des gens avec nous, en fait. Tu sais que c'est Bernard Denis hein, qui t'a balancé, tu le sais, ça ? J'en doute pas, il n'y a pas de souci là-dessus. T'as pas un truc à balancer sur lui, du coup ? Que je lui rase le crâne les veilles de match en équipe de France, donc. Ok, vous êtes super proches, c'est vraiment gênant. Ouais. Et je le fais sans short aussi. Ok, d'accord. Okay. Tu préfères Julien Fossurier ou Brendan Chardonnay ? Brendan Chardonnay. Je pensais que parce qu'il fait plus la fête. Que... la seule différence, c'est qu'il y en a un qui fait la fête et pas l'autre. Donc, parce que je pensais que t'hésiterais un peu plus, quoi, tu vois. Mais non, j'ai tout de suite pensé à la fête, Chardonnay, voilà, c'est bon. Ouais. Il va le prendre comment, Fossurier ? Il va bien le prendre parce qu'il sait qu'il fait pas la fête, donc il n'y aura pas de soucis. D'accord, mais toi, c'est la fête qui compte, du coup. Non, c'est le petit plus de Brendan. D'accord. C'est les deux, sinon c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Et tu pêches avec Fossurier, par exemple. Ouais. Tu pêches pas avec Chardonnay. Parce que Brendan n'aime pas la pêche. D'accord. Et par contre, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, du coup, bah tu préfères la fête à la pêche. Bah oui, forcément. Bah non, c'est pas tu ça. Tu préfères ton entraîneur ou ton président ? C'est des belles questions de merde. Pardon ? T'as le choix entre celui qui te fait jouer ou pas et celui qui te paye ou pas, du coup. Je vais penser pour l'avenir, je vais dire mon coach. Parce que si je continue à jouer, je serai payé dans notre club. C'est bien, il y a une belle réflexion. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant, ouais. Bien joué. Tu vois, on m'avait dit, ce qui est bien avec Gauthier, c'est qu'il ne réfléchit pas, il va répondre tout de suite. Mais ça, c'est parce que tu m'as vu jouer contre Lorient, sans doute. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pensé ça immédiatement après. Et en fait, c'est faux, t'analyses vachement les choses, quoi, tu vois. Mais c'est une apparence comme ça que je parais bête et tout, mais ça cogite là-dedans. J'ai pas dit que tu paraissais bête, hein. J'ai juste dit que tu paraissais différent, quoi. Nous sommes les Tizef. Sauvages et fiers de l'être, nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Oh, oh, oh. Voilà. J'ai rien à dire, c'est incroyable. Je crois que t'es un bien meilleur supporter que footballeur. C'est pas compliqué. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, avec plaisir. C'était cool, merci.